Elle cherche, mais elle est là-bas. Tiens, attends, mais laisse pas la parole. Ouais, je vais aller voir mon jeune, moi. Et sa copine. Sortir. À plus tard. Ouais, c'est tout à l'heure. Donc, a priori. Courage, Petit, courage, tu vas y arriver. On voit maintenant les pneus qu'il y avait sur les motos à cette époque-là. On dit que c'était plus de 120 de moyenne sur un circuit avec des Z2 ou des Z4, qui était très bien terrible. C'est en milieu, c'était pas du tout une chose idéale. Voilà, maintenant, donc, c'est un circuit haute, et j'étais beaucoup en France, c'était très très bon retour, en même temps, c'était très très sympa. C'est un très plaisir de voir un spectateur de. Plutôt fait plaisir et je crois qu'après je suis passé par Nancy, le fait de rouler plus pour les circuits, on fait beaucoup moins les choses que dans l'autre. Et c'est dommage plutôt parce que je descendais hier, je voyais le nombre de radars de gérants de défense, ça c'est vraiment dommage. Une sensation au côté genou. Voilà, effectivement, un parcours à la fois sportif et professionnel extrêmement chargé, très riche. Et là, présent. Ben, ça se passe bien, là, j'ai donc deux bonnes motos aujourd'hui, donc notamment la machine de grande de prototype de Jean-Pierre, des années 80. Et c'est vrai que c'est une vraiment très très belle journée, le circuit est fantastique. Je pense que. Elle est à
retour l'année prochaine si elle veut d'aller. Voilà, mais ça, ce sont encore bientôt. A priori, il y aura beaucoup moins pour la prochaine émission. Voilà, merci beaucoup et puis à tout à l'heure. Puisque vous ne pouvez pas venir à nous, on va aller à vous. Et Christian, Saron, Hubert Rigal. Bon, on peut dire ça en moto, puisqu'on fait des informations. Vous êtes très très nombreux à la porte du circuit à ne pas pouvoir rentrer.
Voilà, alors j'allais vous demander justement, vous en tant que spectateur, qu'est-ce que vous souhaitez pour que ce soit mieux? Le parking, la plupart de nos images. Mais bon, on aurait pu faire un mini salon. Les promoteurs du circuit vont agrandir l'espace dédié au public et on tiendra compte de vos doléances. Si on vous propose un rendez-vous comme ça l'an prochain avec les petites améliorations que vous demandez, vous êtes de nouveau client. De toute façon, tel que c'était aujourd'hui, c'était très bien. Alors, je suis avec un fan d'un pilote qui n'a pas roulé aujourd'hui. Alors, le prénom, c'est... Je suis avec ce message. Patrick, mon grand, tu te rappelles 7208 Carpiagne. Je te souhaite que du bonheur, que du bonheur. C'était de la part de... Excellent. C'est bon, t'as signé pour 2009. Attends, bah, c'est la mienne, c'est la tienne. Les papiers. Ah, c'est la mienne, c'est la tienne. Faut pas lui dire ça. Ah. Attends, elle est pas un peu... elle est plutôt pour la route. Ouais, bah oui. Non mais je plaisante. Ah, bon. Déjà... Il y met une moins-value pas, déjà. T'occupe pas déjà quand tu tournes la première comme déjà. Il faut. Après, tu vois ce qu'il va pas. Mais déjà... Faites péter. J'appelle Jackie Germain. Il va arriver avec une lunette d'huile pour démonter la poignée de gaz. Il a dit vas-y mon gars, ça roule. C'est ce qu'il me disait. C'est le miracle. C'est le miracle. C'est le miracle. Et regarde même le bouchon, on nous disait bleu. Non, c'est trop.
ça m'arrive dès que ça n'a pas pris ces motos. Parce que la presse, ces idiots, tous des idiots, mais la presse, ils ont démonté cette moto en disant que c'était une moto qui n'était pas bien le châssis. Qui était pas ça parce qu'ils n'arrivaient pas à la conduire. Kenny Roberts, non, mais c'est super fun quand même, il avait dit ça ferait une superbe encre pour mon bateau. Je peux dire, j'en ai une de 500 derniers. Ouais. Il avait dit ça ferait une superbe encre. Non, mais enfin, c'était une superbe moto. C'est bon. Et d'accord, ça qui donnait un peu, ça bougeait un peu, et alors voilà, on est en piste des RC30, donc avec Joël Malatino avec la RC30 qui porte le numéro 281. Jeune Dino a été vice-champion de France national 125 en 80.